On aurait sûrement préféré un bon gros BF pour lui, à défaut on aura un personnage assez facile d'accès du coup, et qui sera tout de même un minimum OP. Yo la piraterie, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour aller invoquer sur le Oven, qui me fait kiffer, qui me fait plutôt kiffer, il est assez stylé, il a son petit potentiel. Alors ça sera pas non plus ultra démoniaque, mais il y a tout de même des choses qui sont assez violentes, on va aller voir tout ça. Allez c'est parti, je te laisse profiter de ça. On va commencer par parler d'un petit détail qui nous casse bien la tête en ce moment. Et bon, peut-être on va avoir des petites solutions, mais j'y crois moyen honnêtement, hein. En ce moment-là, c'est vraiment la saison du shit. Genre, c'est vraiment envahi, tiens, envahi. Ça doit être l'une des saisons où je pense que ça a été le plus spammé. Que ce soit à cause de la nouvelle pièce, ou tout simplement parce qu'ils ont dû se concerter entre eux. Et voilà, ils sont beaucoup à rush, ils recrutent en plus. Enfin bref, c'est toute une galère. Donc là, on a eu enfin au moins une réaction sur le Twitter officiel de Bandai et même dans le jeu, voilà, on a une annonce. Donc nous avons suspendu aujourd'hui les comptes sur lesquels nous avons constaté les actes suivants, falsification, analyse et modification des données. Donc a priori, il y aurait une petite session de ban après à voir est-ce que ce sera efficace. On nous a pas parlé d'anti-cheat concrètement, donc le mieux qu'on puisse avoir c'est des bans, c'est déjà ça, si c'est ça, mais... Est-ce que ça va vraiment faire la différence? En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez croisé un petit peu moins de shit depuis ça ou pas, ou est-ce que ça a rien changé? Et on va aller, eh bien, invoquer sur le Oven du coup. Hein. Bon, Oven en tant que fanboy, c'est pas mon perso que je kiffe le plus, je dois avouer, mais là, bon, là, ça me va. En vrai, ça va, c'est plutôt cool. Parce que dans tous les cas, comme on a récupéré Pedro, je comptais aller récupérer le deuxième troc pour récupérer en plus le ticket garanti sur Cracker ou Brûlé. Donc comme ça, on va se faire la petite team Big Mom au complet. Enfin, au complet, on en aura pas mal, il nous en manquera pas beaucoup au final. Hein. Quoique, je sais plus, il me semble si je les ai quasiment tous. Et Oven, ouais, on va voir, les compétences, du coup, on les avait pas, là, elles sont trop stylées. Le petit dash est grave stylé et la compétence de bouclier, je kiffe. Je kiffe, on dirait, je sais pas, genre, il se charge là en mode Super Saiyan. En plus, le petit effet brûlure qui va mettre bien, on a pas mal de restauration. On va probablement faire les deux passages, hein, parce que de toute façon, on va aller à la garantie, en espérant qu'on touche des copies, qui nous fassent comme le Pedro, hein, si on peut aller débloquer un petit Oven 85, 90, même 100, on sait pas, on sait jamais. Hein. Bon, bah, franchement, je prends. En tout cas, le personnage est assez impressionnant pour un truc, c'est la restauration des PV. Hein. Sur le bouclier, là, s'il arrive à caster plusieurs séquences, j'ai trop hâte de pouvoir tester ça, franchement, il y a moyen de faire du lourd. Ok, petit défenseur, on commence par... Ah, j'ai presque un petit espoir, ok, le fait à la basta. Au moins, on commence direct par un truc. Il nous met un petit peu des choses, parce que là, ne serait-ce que pour le cola, ça fait plaisir. Là, la dernière fois, on a récupéré 600 colas, du coup, ce qui est déjà beaucoup, en vrai. 600 colas, voilà, j'ai dit péter tout dans les orbes, et on continue d'avancer tranquillement sur les ovaires. Bon, celle-là, bon, un petit 50 colas, petit 50 colas, il n'y avait pas de garantie, il me semble. Allez, allez, on veut du Oven, on veut du Oven, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a l'air assez imposant, le personnage. Le personnage a l'air sacrément imposant. J'espère que ça va pas être trop chiant pour bah, que ça bloque les vues, quoi, tout simplement. Bon, 14, 14, ça donne envie de skipper, ça. Ouais, si on skip, ça pue le shaft. Pourquoi? On veut pas avoir de shaft, on avait pas vu beaucoup, là, ces derniers temps. Ouais, du coup, oh, quoique, si ça se passe pas trop mal. Mais bon, là, pour l'instant, vas-y, il envoie une double copie. Mais peut-être qu'en vrai, on a peut-être pas à faire deux passages, forcément. Je suis en train de capter, je suis pas sûr. 27, ouais, un petit peu d'espoir, un léger bande dorée. Bande dorée, drapeau doré, allez, 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 petit espoir malgré l'animation qui démarrait mal, s'il vous plaît, premier Oven, en plus normalement il va pas nous mettre de feinte celui-là, il est assez particulier en termes de silhouette, allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il se fait tarder, il laisse nous traîner le suspense, allez, let's go, non, putain, j'ai trop d'espoir, quand il laisse le dernier comme ça, c'est trop bon signe, c'est vraiment, bon, Burgess, au moins c'est du perso qui est pas encore maxé, donc on prend pour le coup 88, 88, ouais, c'est sympa, on va pouvoir aller le sortir un de ces 4, ce Burgess, pour l'instant je l'ai pas du tout sorti, je crois, ou peut-être une game ou deux, ou vite fait en privé, allez, allez, le Oven, s'il vous plaît, le Oven, il nous le faut, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal, petit, ah, 27, 27, 27, on n'est pas trop mal quand même, mais... Ah, bande rouge, drapeau rouge, 27. Il veut pas nous mettre bien, hein. Il veut pas nous mettre bien. Allez, prends un petit élément rouge. Mon petit Oven, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On veut de la copie. Il nous faut de la copie. Let's go. Let's go, c'est lui. Pourquoi? Non. Mais j'ai vu Snakeman, c'est quoi cette... Non, mais qu'est-ce que c'est que cette douille? Bon, on est d'accord. Oh, faudra que je vois au replay, mais je suis...
Comment ça se fait que c'était Snake? Ou alors c'était à une fin, c'était Bandman. Je suis quasiment sûr que c'était Snake Man. J'ai skip un peu vite aussi. Oh putain, j'ai trop la haine! Je pensais trop que ça allait être lui! Et un senior. Et... Oh, bon, senior, on prend, il était pas encore maxé, mais. Ah, oh, baby, c'est du cola. Putain, mais cette grosse. Vas-y, ah, si, il abuse. Bon, on va le récupérer. Ouais, si, de toute façon, on va faire deux passages. On va faire deux passages, allez, là, s'il vous plaît. Doublette, doublette. Parce que petit 85, 90, c'est déjà toujours plus sympa à jouer que 80. Faut avouer, niveau stats, on se met déjà un petit peu mieux. Allez, full bébé, petit 32. Allez, la doublette, la doublette, la doublette. Let's go, les Nakama. On les avait pas vus depuis longtemps. On les avait pas vus depuis longtemps. En plus, sur une belle multi comme ça, ça fait plaisir. À chaque fois que je les ai, souvent, c'est sur des multi dégueulasses en plus. Où rien n'est complet. Allez, allez. Commence par un petit fonceur. C'est vrai que là, il y a que les persos du troc. Hein, donc, forcément. Il n'y en a pas beaucoup qu'on vise, donc du coup là pour l'instant, allez, 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 enchaîne, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, il faut envoyer un doublon, un doublon, un doublon, un doublon, s'il te plaît. Ah, je crois pas que c'est le dernier, allez, let's go, normalement c'est le premier cette fois. Si, mais putain, mais c'est quoi ces conneries? Mais non, mais là, il n'y a pas de feinte, là, c'était encore un Snake Man, il m'envoie. Usohashi, mais j'ai envie de l'insulter, mais non, mais c'est quoi ça? Vas-y, je l'avais pas sur le principal, mais je l'avais déjà. Je suis en train de le farmer quasiment. Ouais, il est en route 80. Oh, allez, bon, pas de fin, s'il te plaît, c'est open. Let's go, c'est open. Putain, enfin. Ah, cette animation est trop stylée. Je kiffe, je kiffe. La compétence va faire trop kiffer. Mais putain, il sera fait désirer. Et c'est quoi? D'où il nous met des Snake Man comme ça, là? Je vais m'énerver. C'est quoi cette arnaque? Ah, il va passer 80 direct. Ah, ouais, bon, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. C'est pas trop mal, on sait pas trop mal. Tant qu'à faire, autant jouer sur le principal, c'est toujours mieux que sur le petit compte. Bon, 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 bon. Le premier oven, et ouais, on va faire deuxième passage pour aller récupérer notre ticket de recrutement. Hein. En espérant qu'on ait un max de oven qui tombe, que le premier passage soit un petit peu mieux aussi. Enfin, le deuxième soit un petit peu mieux que le premier. Allez, petit drapeau doré, on a du Jimbe, du Grand 14. Oh, le 14, il fout la haine. Le 14, il fout la haine. Nous lâche un truc. Ouais, 50 cola. Ouais, ouais, ouais. Du cola, du cola, du cola. Ouais. On prend le cola, on prend. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Faut au moins qu'on le mette 80. Faut au moins le mettre 80. S'il vous plaît, je vous en supplie. Parce que pareil, j'ai pas envie de craquer des fragments dorés sur. Déjà, je craque les diamants. Bon, là, parce que en l'occurrence, on va. On s'est fait kiffer sur le Pedro. Et du coup, derrière, autant aller récupérer le reste jusqu'à la garantie. Et petits crackers et brûlés qui vont être sympas. Je préfère, limite, je préfère cracker, je pense. Dans le ticket de recrutement, on verra ce qu'on va tomber. Mais après, brûler, c'est pas dramatique. Le perso est assez kiffant, donc si on touche brûler, c'est cool aussi. Bon, du cola, ça aussi. Du cola, du cola, du cola. Bon, malheureusement, à mon avis, on n'aura pas. Oh, aïe, 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 aïe. Il nous en reste encore. Allez, 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 ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. Oven, Oven 80, Oven 80. On veut se mettre bien là pour une fois qu'on brûle les persos du troc. Allez, s'il vous plaît. 32, 32, on n'est pas trop mal. Bande dorée. Est-ce qu'on a un garanti ici? Je sais plus. Allez, allez, je veux du oven. Je veux du oven ou rien. Je veux du oven ou rien. Tchoto. Allez. Oven, oven. Mon oven. Il se fait traîner. Allez, 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 allez. C'est obligé, il y a un truc. C'est obligé, il y a un truc. Ah, bande main. Je t'en supplie. Let's go. Let's go, on l'aura 80, on va pouvoir aller jouer. Ça c'est bon, ça fait plaisir. Ah, parce que là j'avoue, là je fais le pressé à dépenser les diamants. Mais en vrai, si tu veux attendre un petit peu, juste tu le débloques et après tu farmes. Voire même pas, t'attends. Tu peux être patient vraiment pour cela. Mais si tu peux les débloquer 80, là pour le coup ça vaut le coup. Et oui, bon on va tout de même aller. Ouais, bon on va aller d'abord cracker brûlé. Allez. Cracker ou brûlé? Bon, la petite brûlée, c'est assez stylé. Mécanique, c'est le seul perso à avoir cette mécanique. Plus retrospawn, c'est trop kiffant. Et cracker, c'est l'élément bleu. On a ce qu'il faut pour l'élément bleu. Le petit guerrier biscuit, j'ai vu 2-3 petites séquences en ligne qui m'ont fait plutôt kiffer. Le dash est plutôt bon. Honnêtement, ça va. Les deux persos sont satisfaisants. Allez, allez, allez. Mes préférences, j'avoue, cracker. Petite préférence au cracker. Allez, tout dans l'attaquant, s'il vous plaît. Tout dans l'attaquant. Tout dans l'attaquant. Attention, 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 attention. Ah, ça sera la brûlée. Ça sera la brûlée. Ça sera la cramée. Elle est là. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Écoute, on va la jouer troll.
Ça va être marrant de renvoyer des ennemis au spawn. On va pouvoir faire pas mal de petites tentatives avec le miroir. Ça m'intéresse pas mal. À ce niveau-là, cette compétence, elle peut être plutôt intéressante. On va aller terminer, bah oui, tout de même les 100 diamants sur le oven. Comme ça, on récupère au moins un oven sup. Ce qui nous mettra déjà bien, ça fera oven 85. Oh, quoique, non, 80, je suis bête. De toute façon, il faut finir. Allez, quoique, est-ce qu'on va récupérer de la copie pour se mettre bien? Allez, petit 32, encore une fois, on est plutôt bien. Allez, s'il vous plaît. En noir, ouais. On pourrait être un petit peu mieux à ce niveau-là, j'avoue. Allez, allez, tout dans le oven, tout dans le oven. 90, peut-être, il va nous faire comme le Pedro sur la deuxième session, il va tout nous envoyer sur la fin. Allez, allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il va lâcher un truc. Allez, le oven, je le sens bien, je le sens bien. Ah, c'est validé quand même, c'est validé quand même. Je veux bien l'avoir level 100 sur mon compte, celui-là, principal, parce que je l'ai. 100, mais sur le petit compte, là il est 86. Bon, il avance gentiment, mais sûrement je le farme pas pour l'instant. Voilà, si ça tombe, c'est tant mieux. Et la petite dernière, donc du coup, on va aller le passer 85, 80. Ouh, allez, peut-être un signe. Allez, lapsus révélateur du haki du futur. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, tout dans le oven, tout dans le oven. Je veux le jouer 95, 90. Allez, encore l'exploit sur la dernière, tout dans la dernière. S'il vous plaît, on veut voir du lourd. On veut voir du lourd, fais-nous voir du lourd là. À défaut de se faire dépouiller par les cheaters, avoir un jeu cool à ce niveau-là, on peut au moins avoir peut-être de la chance sur les invocations, ça serait cool quand même. Si on peut rattraper à ce niveau-là. Bon, petit Brooks et du Cola. Oh. Frérot, faut pas nous. Bon, Cola c'est cool, mais. Je préfère débloquer, hein. Même petit seigneur, ça va, ça fait plaisir, seigneur. J'ai envie de le sortir un peu, mais level 100, ça sera plus sympa. Allez, espérons. Let's go! C'est pas le dernier, dis-moi que c'est pas le dernier. Je crois que c'est pas le dernier, normalement. Normalement, c'est pas le dernier. Putain, c'était le dernier. Ah, oh, dommage. Bon, il est 80. Au moins, c'est le principal, on l'a mis 80. Ça, c'est vraiment, voilà. C'était l'objectif numéro 1. On a récupéré brûlé, du coup. Bon, on est pas trop mal. On va aller se faire. On va aller se le up vite fait. Rejeter un petit coup d'œil au perso. Hop, tac, tac. Ouais, brûler, bon, brûler, brûler, brûler. Ah, ça va être le côté un petit peu troll qui va être marrant. On va voir un petit peu niveau stats, il ressemble à quoi, level 80, boost 2. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Tac, hop. Du coup, on a un petit quasiment 8000 de DF, 2121 de défense. 8000 PV plutôt, 2121 défense. Attaque, ça va. Je m'attendais à plus faible en vrai. On a le petit hein, quasiment 1800. Bon, c'est pas énorme, hein, c'est clair, c'est pas énorme. Et au niveau des compétences, bon, au niveau des compétences, on est assez mal. Hein. En vrai, il a un sacré potentiel offensif, mine de rien, je pense. Hein. Faudra aller voir ce que ça donne concrètement. Mais si tu profites du petit bonus de 20% d'attaque quand tes alliés sont morts, donc en plus, t'as 20% de défense, mais voilà, c'est un détail, c'est pas offensif. J'ai vu, on a aussi quoi? Quand t'attaques les ennemis sous l'état brûlure, t'as aussi une augmentation de 20% des dégâts infligés. Et après, bien sûr, le truc le plus cheaté, restauration de 10% des PV, ça va être très énervé. Si ça fonctionne bien avec les séquences d'attaque, genre là, si on. Alors, je sais pas si on. Ouais, bah si. Techniquement, si l'ennemi est déjà dans l'état brûlure, donc normalement, taux d'activation, tu vas pouvoir l'activer direct. Et pendant les séquences, tu vas pouvoir restaurer bah, jusqu'à 100% de tes PV, techniquement, sur une seule cible. Enfin, après, ça sera peut-être moins bien dans le concret, mais dans l'idée, 100% du bouclier en plus. Enfin, ça finit. En fait, concrètement, il n'y aura pas besoin des 150%, je pense. Parce qu'il va être juste là, tanker temporairement et tu vas relâcher. Donc, du coup, il aura tanké juste ce qu'il faut. On va aller jeter un petit coup d'œil, bah, un petit peu à quoi il ressemble concrètement. Enfin, concrètement, en mode solo. Et puis, on ira se faire des petites sessions en ligue après. Bon, du coup, on va voir un petit peu à quoi ressemble la bête. Ouais, l'animation fait plaisir. L'animation, franchement, elle régale trop. J'espère qu'on en aura un petit peu plus comme ça sur les personnages. Parce qu'il me semble, enfin, ils ont tous un petit peu des animations. Mais là, c'est la première qui est un petit peu vraiment stylée, je trouve. Allez. On va voir déjà un petit peu au niveau des attaques de base. Ouais, déjà l'envergure. Hein. L'envergure à côté. C'est 4 fois la taille du Zoro. Enfin, 2 fois la taille du Zoro. Bon, les attaques de base sont pas mal. La troisième tape est lourde. Il y a le petit effet de brûlure là. Qui est assez stylé. Bon, là, en juste. Taper en première tape, ça a l'air chiant. Bon, c'est. Il faut taper surtout en 1-2 a priori. On va voir le petit dash. Ok, l'animation est un peu chiante, donc le dash va être long. L'animation est stylée, par contre, encore une fois. C'est surtout ça qui nous intéresse, celle-là. Ouais, elle est stylée. Elle est stylée, donc ouais, bon, là, c'est contre les bots, donc on prend quelques dégâts, mais je pense qu'on prendra pas autant. Ça dure assez longtemps. Ça dure assez longtemps, mine de rien. Là, j'ai essayé de tenir au maximum. Et derrière, tu relâches, petit dégâts de zone. Et sur ça, en fait, c'est. Ah oui, c'est déjà. Ah oui, donc on a tapé l'effet brûlure un petit peu. Du coup, on a de la restauration à ce niveau-là, peut-être.
Je sais plus, mais en tout cas, le Boubou est déjà là quasiment. Enfin, ouais, à mon avis, il y a un gros potentiel. Si t'arrives à bien jouer autour de ça, ouais, il est déjà là. Enfin, ça peut être assez énervé. On va voir, c'est quand on touche l'effet brûleur, je crois. Viens là, Dofi, s'il te plaît. Parfait, esquive. Non. Bon, là, de toute façon, on a de la défense en plus. J'ai mis le petit set vite fait. Donc, c'est quand on touche, non? On n'a pas de réduc à ce niveau-là. Alors, c'est quoi? C'est juste qu'elle se réduque assez vite? Oh, c'est possible, c'est possible. Là, le délai doit pas être si long en fait au final. Bon, on fera les petits tests en ligue de toute façon pour voir concrètement ce que ça donne. Mais déjà c'est plutôt kiffant, c'est assez satisfaisant comme personnage. Ouais, il y a juste le dash qui me frustre un petit peu. J'avoue, le dash va être assez frustrant. J'espère que la vidéo t'aura plu. On n'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à nous partager aussi votre avis sur l'Oven. Allez, je te dis à très vite la piraterie.